Allez savoir pourquoi. En tout cas, il faudra que je lui pose la question. Il arrive que des dessinateurs de bandes dessinées soient aussi musiciens et même musiciens de jazz. Il y a Jacques Ferrandez, par exemple, qui a été pendant longtemps un très bon contrebassiste. Il a même publié un album à côté de ses romans graphiques, comme on dit aujourd'hui. Et voilà que aujourd'hui, c'est Gani Jakupi. Gani Jakupi, il est kosovar, il vit à Barcelone depuis déjà pas mal d'années, et il vient de publier aux éditions Soleil, collection Noctambule, un magnifique roman graphique. Alors pour le coup, l'expression des Américains, graphic novel, s'impose plus que bande dessinée. Ça s'appelle La dernière image, et c'est consacré à un reportage sur la fin de la guerre du Kosovo et le voyage qu'il a fait avec un photographe là-bas pour revenir sur la trace de ses parents qui étaient toujours vivants, qu'il a retrouvés, et il avait envie d'explorer ce qui restait du Kosovo. Il y a aussi au passage une réflexion aigre, douce-amère sur ce que c'est que rendre compte quand on est journaliste et photographe particulièrement de ce qui se passe dans un pays en guerre. Ça s'appelle La dernière image, c'est signé Gani Jakupi, donc aux éditions Soleil Noctambule. Et parallèlement à cet ouvrage que vous pouvez trouver chez votre libraire, il sort un disque, parce qu'il est guitariste aussi et compositeur. Et évidemment, vivant à Barcelone, il a une pléiade de magnifiques musiciens avec lui. Le disque est autoproduit, mais il est disponible par exemple chez les disquaires Paris Jazz Corner à Paris, où il les a laissés en dépôt. Et le disque s'appelle Aldea. Aldea, ça veut dire pueblo, village en espagnol. Et dans ce Nichets, on va retrouver le trompettiste Renal Colom, auquel je consacrerai Open Jazz de lundi prochain. Liba Villavecchia est au ténor, José Reynoso au piano, Jordi Gaspar à la basse et Juan Berbin à la batterie. La composition est signée Gani Jakupi. Thank you.
Nichette, une composition de Gany Jacoupi pour cet album Aldea qu'il vient de publier avec toute une série de musiciens de jazz de Barcelone qui changent selon les compositions. Et dans ce Nichette, il y avait Liba Villavecchia au ténor, Renald Colom à la trompette, José Reynoso au piano, Jordi Gaspar à la basse et Juan Berbin à la batterie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce disque se trouve en dépôt à Paris Jazz Corner, la boutique parisienne, et le livre, par contre, est dans toutes les librairies, le magnifique roman graphique La dernière image, publié aux éditions Soleil dans la collection Noctambule. Gany Jacoupi.